Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio FGSM, La Voix des Jeunes. Aujourd'hui, j'ai pour vous un nouvel épisode de Portrait Saint-Michel avec l'artiste Nico, aussi connu sous le nom de YHS. Bienvenue à l'émission, Nico. Merci Yoveline, bonjour à tous, bonjour à Yoveline pour cette belle présentation. Comme vous l'avez déjà mentionné tantôt, mon nom c'est Nico YHS de mon nom d'artiste. Alors, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Ok. Avec On va commencer par une première question. Quel message est-ce que tu veux faire passer à travers ton art? ce qui arrive, c'est, premièrement, c'est un message d'espoir. Puis c'est pas seulement l'espoir, moi je pense plus un message positif parce que quand on raconte tout ce qui se passe dans le monde entier en général, avec ce qui se passe avec notre génération, là, puis on est rendu dans un monde où ce que on voit que le monde paraît à l'envers. En fait, le monde est à l'envers. Puis ce qui arrive, c'est qu'on doit donner un exemple à tous ces jeunes, à tous ces jeunes talents, à tous ceux et celles qui veulent vraiment avancer, d'avoir quelque chose pour l'avenir, là. Puis on doit comme donner quelque chose de positif. Alors, c'est ce que je fais dans mes musiques. Je leur donne un message d'espoir, un message pour dire, OK, let's go, t'es capable. Est-ce que tu travaillais sur un projet spécial avant le début de la pandémie? Oui, j'allais sortir un projet afro, une musique afro qui a quasiment quatre langues là-dessus. Parce qu'on chante là-dessus en créole, français, anglais, puis un petit peu swahili. Puis on devrait faire la vidéo, tout ça. Puis on avait aussi quelques contrats à jouer. Puis à cause de la COVID, on est obligé de tout canceller là. Là, Ouais. on attend. Ouais, mais comment est-ce que tu t'occupes pendant la pandémie? Est-ce que tu continues à travailler, à faire de la musique? Ben oui, je continue à écrire, je continue à travailler ma voix, mon style, mes flows, mon vibe, tout ça. Puis aussi, je pense que je vais sortir un track très bientôt, durant le confinement, là. Ok. Est-ce que c'est Donc possible? maintenant, on va prendre une petite pause, puis on va être de retour tout à l'heure avec d'autres questions. Non, 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 ne t'en fous pas, ne t'en fous pas. Je me demande s'il y a quelque chose contre nous. Alors, rebonjour tout le monde. Re-bienvenue à Radio SGSM, La Voix des Jeunes, où nous sommes en train d'interviewer l'artiste Nico, aussi connu sur le nom de YHS. Alors, une autre question. Tu devais participer au festival Nuit d'Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? En fait, le Festival Nuit d'Afrique, pour moi, c'est une très belle expérience. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on rencontre pas mal d'artistes, pas mal d'autres cultures, toutes sortes d'artistes, africains, haïtiens, brésiliens, toutes sortes de personnes. Comme... C'était énorme, c'est intense. Puis ce qu'on nous demande, c'est nous faire de faire des prestations en live. C'est pas que tu arrives avec un playback ou whatever, c'est de faire ta prestation live, de voir comment tu bouges sur scène, comment tu captes les gens, c'est quoi. C'est beaucoup de travail. Mais par contre, comme j'avais dit tantôt, avec beaucoup de discipline, tout ça, puis aussi ce que j'avais oublié de dire tantôt, c'est que il faut vraiment, quand vous faites partie d'une équipe, essayez de faire, en fait, essayez de dire comme. C'est quoi l'objectif de cette team-là, de cette équipe-là? Parce que moi, je suis entouré d'une équipe vraiment dynamique. Puis je les salue si jamais ils entendent, ils m'écoutent, peu importe. Je les salue. Pour quelle raison? Parce que mon équipe ne m'avait pas lâché une seconde pour cette compétition-là. Il y a des danseurs, et ils font leur travail. Il y a les autres chanteurs. Il y a toutes sortes, comme les musiciens, parce que pour le spectacle de Nuit d'Afrique, j'allais jouer avec des musiciens, tout ça. Puis tout le monde fait leur travail. Puis ce qui était nice là-dedans, c'est que on a chacun notre idée, chacun notre style. Puis faites le mélange, ça donne quelque chose de wow, agréable. En gros, ça n'a pas été annulé, mais ça a été reporté pour le mois de septembre. J'espère que ça va se reprendre le plus tôt possible. Puis je vous invite déjà dans mes Ouais, prochaines moi aussi, performances. j'avais déjà assisté au Festival Nuit d'Afrique il y a quelques années. Puis j'ai vraiment adoré ça. Il y avait une photo de moi où j'étais comme. Fait que c'était vraiment amusant. J'espère vraiment que ça va pouvoir se faire Quel bientôt. Conseil est-ce que tu as à donner aux jeunes qui sont en train de terminer le secondaire ou même le cégep?
Mais ce qui arrive, c'est que moi, je dis très souvent, tu dois avoir un objectif, c'est sûr. Tu dois avoir un objectif, mais par contre, cet objectif-là, il y a aussi ce qu'on appelle l'endurance pour réussir. Il faut avoir de l'endurance, la motivation. C'est tout un kick. Mais pour moi, avant tout, c'est faire un bon plan. Même avec un bon plan, tu peux dire, OK, tu peux te décourager des fois, mais ça ne devrait pas t'empêcher à avancer pour réussir. Tu comprends? So, si on voudrait écouter de la musique de YHS, c'est où qu'on peut trouver ça? En fait, vous allez trouver ça partout. Sur YouTube, sur Amazon, sur iTunes, Spotify, sur CD Baby, Deezer, partout, sur toutes les plateformes. Juste écrit YHS. Le plus nice, c'est que si tu veux faire une vidéo de TikTok, tu peux même aller sur TikTok, entrer YHS, puis vous allez trouver nos musiques. Et ça, c'est fort. Oh wow, that's how you know you made it. OK. Alors, merci d'avoir été avec nous, Nico. Donc, je vous invite tous à aller écouter la musique de YHS et à encourager nos artistes locaux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.